Bonsoir. Canal 2 International a cassé sa tirelire pour proposer à ses téléspectateurs, dès le 14 juin prochain, la Coupe du Monde Russie 2018, dont elle a chèrement acquis les droits. Les Lions Indomptables ne prendront pas part à cette compétition où le continent africain est représenté par l'Égypte, le Nigeria, la Tunisie, le Maroc et le Sénégal. Il faut dire qu'en dehors de la prouesse réalisée par l'équipe conduite par le capitaine Benjamin Boukandjo en remportant contre tous les pronostics, la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, l'histoire de l'équipe nationale de football du Cameroun est, ces dernières années, une succession de scandales. Qu'est-ce qui fait problème? Les Lions peuvent-ils redevenir indomptables? La grande interview est balle au pied ce soir avec un acteur de l'intérieur. Merci de rester fidèle à Canal 2 International. Merci de regarder la grande interview. Nous sommes en direct sur www.canal2international.net. La Coupe du Monde FIFA 2018, c'est en direct sur Canal 2 International. Retrouvez le meilleur du commentaire de match, les meilleures émotions, les plus beaux buts en direct sur Canal 2 International. Les performances des 32 équipes, les analyses pointueuses de nos experts. C'est une belle affiche entre en deux belles équipes. Sur Canal International. Retrouvez tous les pronostics et statistiques d'avant et d'après-match en direct sur Canal 2 International. La Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018 en direct sur Canal 2 International. Idriss Carlos Kameni, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes international camerounais, vous êtes le gardien de but des Lions Indomptables, ou alors l'un des gardiens de but des Lions Indomptables. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Le plaisir est le mien d'être là sur ce plateau, ce cher plateau, ce soir. Alors, nous allons commencer par l'actualité. Et l'actualité, c'est Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, qui a décidé, contre toute attente, de quitter le Real Madrid. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Une surprise? Une surprise, une grande surprise, d'autant qu'il venait de remporter la troisième Champions League de manière consécutive. Ouais. Et c'est pas donné de le faire en deux saisons et demie. C'était un grand coup de chapeau et décision inattendue parce que quand on est dans un club comme le Real Madrid, on aimerait y rester à vie et gagner encore des titres parce que ça, c'est la marque du Real. Être là dans des grands moments et toujours gagner des titres. C'est vrai que j'étais surpris. Alors, comment est-ce que cette nouvelle a été accueillie en Espagne où vous avez joué pendant longtemps? Vous connaissez très bien le coach Zidane. Comment cela est-il commenté dans les milieux du football en Espagne? On n'arrive pas à comprendre, mais on respecte beaucoup la décision de Zidane. Et j'ai lu dans Marca, il a eu à le faire en tant que joueur. Ouais. À un moment donné, contre toute attente, il a décidé d'arrêter parce qu'il disait qu'il n'était plus à 100%. Et des gens disaient, mais c'est pas vrai. Le Zizou qu'on a vu jouer en fin de saison pouvait encore pousser pendant plusieurs années, mais il avait décidé d'arrêter. Et là, il vient de le faire en tant que coach. Je dirais, je l'apprécie beaucoup, on s'apprécie beaucoup, un coach, un mec surtout, je dirais, très gentil, très humble, et il a fait quelque chose de très fort. La décision, elle est mûrie, elle est réfléchie, et s'il la prend, c'est qu'il sait pourquoi il tient à le faire à ce moment, et sûrement, il a quelque chose sous la manchette. Oui. Alors, je vais vous citer Zinedine Zidane lors de la conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé sa décision de quitter le Real Madrid. Il dit, je le cite, « Il faut savoir s'arrêter. Ce que je veux pour le bien de ce club, c'est qu'il continue à gagner. Et je pense qu'avec moi, ça aurait peut-être été compliqué. » C'est très lucide, ça. Oui, c'est lucide. Quand on a réussi 9 titres en 2 années, vous l'avez dit tout à l'heure, donc 3 titres de champion d'Europe de manière consécutive, finalement, on a envie de se dire, il n'y a plus rien après. Oui, c'est vrai, c'est surtout la vie, c'est fait de challenge. Je pense que quand on se lève le matin, on doit avoir une motivation et l'envie de conquérir quelque chose. Et ces objectifs nous permettent de nous surpasser au quotidien. Quand on est joueur,
un jour arriver un professionnel, et défendre les couleurs de sa nation, ça veut dire être appelé en équipe nationale, gagner le championnat dans son club, une Champions League, qui est le summum pour les clubs, et une Coupe du Monde au niveau international. Je pense qu'ayant gagné tout ça, et les joueurs aussi, il faut savoir comment les motiver pour les pousser à se donner un peu plus. Ce n'est pas toujours évident de gagner un titre et la saison d'après refaire le même coup. Ouais. Il faut une autre source de motivation et je pense, Zidane en le disant, il connaît l'intérieur, il connaît le vestiaire. C'est très important de connaître son groupe. Il est arrivé, ce groupe et s'est bougé, ce groupe s'est transformé. Je veux dire, pour lui aussi, c'est vrai que nous sommes des professionnels. Chacun doit faire son boulot. Mais quand vous avez un coach avec qui le feeling passe, il est accepté dans le vestiaire, il est comme un joueur. Donc pour vous, Zidane, c'est un grand coach parce que beaucoup pensent qu'il a simplement eu beaucoup de chance, beaucoup de bagou. Alors est-ce que c'est un grand coach ou il a simplement eu de la chance et un effectif, il a été servi également par un effectif hein, je crois, Benzema, je Cristiano Ronaldo, Bale, Coutinho, je crois pas la chance, mais pour ceux qui croient, il faut la provoquer hein, Il faut provoquer la chance. Il faut aussi provoquer et avoir Zidane a peut-être le même diplôme qu'un coach lambda mais qui n'a pas un effectif comme celui du Real et qui peut-être n'a pas le discours que peut avoir Zidane, qui n'a pas la présence qu'il peut avoir. Vous savez, c'est avoir un illustre grand joueur comme entraîneur. Et nous, en tant que professionnels, malgré l'expérience qu'on a, ça ne vous fout pas des jetons, mais il y a quelque chose. Et le discours passe facilement. Donc il fallait avoir le parcours de footballeur de Zidane pour maîtriser un tel vestiaire avec autant de stars. Bah oui, regardez aujourd'hui, on a vu avec le Barça, quand on parle des six titres de Guardiola, Guardiola n'était pas n'importe qui, il les respectait en Espagne en qualité de joueur. Et quand il arrive dans un vestiaire où il y a Lionel Messi, Samuel qui devait partir, Ronaldinho qui devait partir, qui demande que ces gens-là partent, et il veut faire asseoir ses conditions, sa philosophie, et le message passe facilement que si vous aviez un qui vient d'un pays, même s'il a entraîné 150 équipes, qui n'a pas le parcours footballistique de Pep Guardiola. C'est toujours quelque chose de très important d'avoir un très bon joueur comme entraîneur, c'est différent. Franchement, Idriss Carlos Kameni, lorsqu'on a vu la dernière finale de la Ligue des Champions et la manière avec laquelle le Real Madrid a gagné, si Mohamed Salah de Liverpool n'était pas sorti, on aurait eu un autre match, non? C'est vrai qu'avec Est-ce qu'il n'y a pas eu un coup de sang quand même pour Zidane? Avec Lissi, on peut refaire le monde. Mais je pense aujourd'hui que ça aurait été différent. On ne parlerait pas du même match. Et malheureusement, c'est l'effet des jeux qui arrive. Mais le Real aussi n'arrive pas en finale, pas un coup de hasard. J'ai discuté avec des coéquipiers lors de Madrid et Paris, qui me disaient que Paris allait passer. J'ai dit, détrompez-vous. La saison ne se joue pas au mois de novembre. Si vous voyez dans tous les stades, les tournois décisifs, c'est février-mars. Il faut voir comment ces équipes arrivent à ce niveau-là. Madrid, il faut l'enlever au match de poule ou au huitième. Mais il y a certaines équipes, quand elles arrivent à un certain cap, c'est difficile. Et ça s'est vu avec Paris, ça s'est vu derrière avec le Bayern. Et en finale, bon, tout peut arriver lors d'une finale. Mais il y a beaucoup d'expérience. Je ne vais pas dire qu'il a fait à bon escient, Ramos, mais quand on veut gagner… Ramos qui a fait sortir une blessure. Non, il a pas fait sortir. Salah est sorti parce qu'il s'est blessé. C'est vrai qu'il y a eu, quelque chose. Mais quand on veut gagner un match, on met toutes les chances de son côté pour pouvoir arriver à ses fins. Donc, victoire logique du Real, vous diriez? Et surtout respecter parce que bon, c'est le foot. Salah, il est sorti. J'ai beaucoup de respect pour les joueurs qui forment une équipe. Ce n'est pas un sport individuel. Liverpool, ce n'est pas Salah. Liverpool, c'est un groupe de 25 voire 30 joueurs. Et qui sont complémentaires. Donc, qui aide ça là, qui est déséquilibrant à être déterminant dans certaines phases de jeu. Mais quand ça là, il n'est pas là, il y a d'autres qui jouent et qui font gagner Liverpool. Pour revenir à Zinedine Zidane, est-ce qu'il pourrait réussir ailleurs comme il l'a fait au Real? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Donc, quand on dit que Pep Guardiola ne pouvait faire que ça au Barça, mais on a vu au Bayern,
Et on a vu en Angleterre qu'ils sont deux cultures différentes de l'Espagne. Non, c'est possible. Vous savez, le plus important dans le foot, c'est la méthodologie et le discours. Et quand vous avez des joueurs qui adhèrent à votre discours et qui croient en ce que vous faites, tout peut arriver. Mais je vous dis, vous vous appelez Pep Guardiola, vous venez avec beaucoup de respect à ICK Foundation au Nasara. ICK Fondation, c'est Idriss Carlos Kameni Foundation. Nasara, et vous voulez faire passer un message, si les joueurs n'adhèrent pas, vous ne pourriez pas. Donc il faut que les joueurs adhèrent au discours du coach. Et qu'ils croient surtout en votre discours et ce que vous demandez. Alors les dernières rumeurs, on va sortir par là, c'est au Qatar, où la Fédération qatarienne de football proposerait 200 millions d'euros à Zidane pour être le sélectionneur du Qatar pour la Coupe du Monde de 2022. C'est énorme ça. Ce sont des rumeurs comme vous dites, mais aujourd'hui, dans le football, quand vous parlez de 200 millions, d'aucuns diraient bah, qu'est-ce que c'est, mais ça, je ne serais pas surpris. Hein, ouais. Je serais pas surpris. Et ils ont beaucoup d'argent, ils sont capables de faire beaucoup de choses, et pour ne pas dire de folie. Si vous étiez l'agent de Zidane, vous lui diriez d'accepter Vous conviendrez avec moi qu'être agent d'un joueur ou bien d'un coach, il n'est pas le coach. Parce que l'agent, je suis désolé, à un moment donné, il pense aussi à… – Oui, à ses gains. – il y a très peu, il y a très peu, bien sûr il y en a, qui pensent à la carrière du joueur, et au bien-être du joueur avant le gain, mais… C'est tentant, on parle de somme colossale et tout le monde s'est tenté. Hein. Il pourrait y aller. Oui, c'est possible. C'est possible du moment où il décide d'arrêter avec Madrid. Mais s'il le fait, d'aucuns diraient que c'est pour de l'argent. Mais je ne pense pas que ce soit seulement ça. Ouais. Vous savez, il y a certains clubs qui épuisent. Oui. Il y a certains clubs qui épuisent. Et comme on dit quelquefois, tu es entraîneur. Dans un club comme, je dirais, Osasuna, tu es tranquille, mais tu fais 4 mois sur un banc de touche comme Real Madrid, tu as des cheveux blancs qui poussent. Donc, et il y a des moments où on n'arrive pas à comprendre. Mais ce qu'ils vivent est assez lourd, difficile, et ils arrivent parfois à saturation et ils ont besoin de breaker, de couper. Comment est-ce que vous justifierez le fait que Guardiola part du Barça qui était là et qui veut changer, Luis Enrique qui arrive, fait la même chose, il part. Il y a des bandes de touche qui épuisent. Hein, et je comprends. Zidane, à un moment donné, il faut lever le pied. Oui. Merci Idriss Carlos Kameni. On en reste là pour cette première partie de l'émission. Mesdames, messieurs, vous avez bien vu que notre invité, c'est Idriss Carlos Kameni, gardien des Lions Indomptables. Pour mieux faire connaissance avec le personnage Etche Homo, voici l'homme, c'est une signature de Samuel Loé. Vous me parlez d'Idriss Carlos Kameni est fini. Ça veut dire que ceux qui me font des contrats de 3 ans à 34 ans, ils sont fous. Ils sont pas fous, ils sont aveugles, ils ne voient pas. C'est le rendement au quotidien qui parle, qui me fait avoir ces contrats. Je suis Idriss Carlos Kameni, né le 18 février 1984 à Douala et gardien de but de Fenerbahçe en Turquie et international camerounais. C'est vrai qu'au début, je n'étais pas totalement un gardien de but. Un peu, quand je suis les histoires de mes aînés, voilà, je dirais mon papa Thomas Nkono. C'est un peu similaire. Je jouais bien dans le champ et dans le but. Et les grands de mon quartier me mettaient un peu plus de pression pour pouvoir jouer dans le champ parce qu'ils se disaient, comme je n'étais pas très grand de taille, que ça allait être une perte de temps de faire les deux. Regardez l'état du terrain, les chaussures avec lesquelles on jouait. À l'époque, ça s'appelait les Batoulas.
on n'en trouve plus sur le marché. La première paire de gants, vous pouvez voir l'état. Bon, c'était juste pour ressembler à un gardien normal. Mais quand je revois cette photo, je sais que je viens de loin et je savoure encore plus ce que j'ai, ce que je vis aujourd'hui. Il n'a pas toujours été gardien de but. Il jouait souvent devant, c'est-à-dire c'est un joueur de champ, souvent en défense, souvent au milieu, souvent en attaque. Ben après, il a vu que ça ne donnait pas trop. Il a préféré revenir dans les buts. Vraiment, à cette époque-là, il n'était pas très grand, mais il était très courageux quand il jouait au goal. Il n'avait pas peur, il jouait avec les grands, les aînés du quartier. Et il était vraiment très bien. Quand j'arrive à la CAESA, je décide complètement d'aller dans les buts parce que c'était pour moi, c'est la passion, je sentais au fond de moi que c'est là que je pouvais vraiment m'éclater. Je pars de la CAESA Puloa, je commence la séance sans gants, le coach il est ébahi, il me dit mais il appelle un gardien du centre de formation, il m'a porté une paire de gants. Je la mets et les premiers tirs pour moi ne sont pas. Je ne me sens pas à l'aise parce que je n'avais pas cette habitude. Je laisse les gants juste à côté des buts et je continue ma séance de détection sans gants. Ils étaient tous bluffés et les prises de balle, elles étaient nettes parce que j'avais cette habitude. J'ai passé cette année exceptionnel au Havre, toute ma formation. Avant d'immigrer vers l'Espagne, où j'ai retrouvé Thomas Kono, qui m'a boosté, qui m'a encadré, qui m'a permis de prendre cet envol du gardien professionnel que je suis aujourd'hui. Elle est un peu froide cette eau ce matin. Oui. Non, mais elle est bonne. Chez moi, tout est bon, hein. Température, la France m'a servi de nouvelle terre d'accueil, de formation. Et après, j'arrive à l'Espagnol, c'est la Liga, le meilleur championnat du monde, où je dois tous les week-ends rencontrer des talents énormes comme Ronaldo Nazario, le Brésilien, Ronaldinho, David Beckham, Zidane. Raoul, Figo et Samuel Eto'o qui étaient, Jérémy Ndithap et toute cette classe-là de gardiens. Et derrière, je ne vais pas vous parler du phénomène Messi qui arrive, Cristiano Ronaldo, Iniesta, Xavi, Puyol. Tous les week-ends, c'est l'extase. Aujourd'hui, je suis dans le championnat turc, un autre monde, mais qui sort de ce que les gens pensent du championnat de seconde zone. Vous avez aujourd'hui l'exemple de très grands footballeurs qui évoluent et compétitifs. J'étais agréablement surpris de la qualité de vie et de la qualité du championnat. Et c'est une très grande expérience, je ne peux qu'être flatté. Magie, une minute. Dans tous les esprits des Camerounais, c'est Sidney 2000. Mais vous savez, on a gagné beaucoup de trophées, on a gagné beaucoup de choses au Cameroun, mais on n'avait jamais gagné une médaille olympique. En héros, tout le monde, c'est les larmes, tout le pays est animé, tout le monde est content. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous rencontre des grands-mamans dans la rue qui ne me parlent que des Jeux olympiques, alors qu'on a gagné d'autres compétitions après. Oh. Comment tu vas? Ça va bien, moi, ça va bien. Et toi, ça va? Ça va. Ok, moi, ça fait plaisir. Hein. C'est quand je montais là, on m'a dit que voilà, quand même, il faut que je rentre, ça fait plaisir, maman, ça fait beaucoup plaisir. Merci. Je suis là pour les vacances, on fait un petit truc là. D'accord. Ok, allons, c'est vrai, beaucoup, monsieur. Merci. Merci. Oh, mais c'est quand même bizarre de savoir que je suis parti d'ici. Pour fouler de très grandes pelouses, tu vois, les meilleurs qu'il y a dans le monde. J'ai fait venir un ami espagnol ici, et il n'en croyait pas ses yeux. Quand je lui dis que c'est ici que j'ai commencé, et je lui dis qu'il y a bon nombre de grands footballeurs qui sont passés par là. Bon, aussi, parallèlement, on jouait ici, et
on avait la possibilité d'aller là à l'école à deux pas, ce qui nous servait de cours de récréation. Mon enfance était semblable à celle de tout gamin camerounais, mais j'ai eu des parents assez rigoureux dans le bon sens du terme. Mon papa, au début, a travaillé dans une boulangerie et après à la poissonnerie populaire. On s'était fait un peu de tout, de la réception des colis, quelquefois dans la chambre froide. Et bon, j'allais à l'école comme tout gamin et à la sortie d'école, j'essayais de taper le ballon dans la rue. Et bon, c'est ce qui m'a amené à me forger comme petit footballeur et comme être humain. Et effectivement, avant d'atteindre le stade de la petite école, c'est sur cette rue-là que j'exerçais à la sortie de l'école et avec les amis du quartier qui en même temps étaient des frères. Je reconnais tous les recoins de ce quartier. Alors comment est-ce qu'on appelle ce carrefour? Ils l'ont nommé Carrefour Kameni. Mais c'est flatteur, ça fait plaisir parce que on se rend compte qu'on fait quelque chose de bien et que les nôtres le reconnaissent et ils sont contents et fiers de nous. Donc c'est touchant. Comment ça va? Et à la fois. C'est comment va-t-il? Ça va, et toi? Non, ça va, tranquille. Gus Carlos, d'abord ici on l'appelle Kaka. Son nom, c'est qu'il connaît depuis l'enfance. Mais vous voyez, il arrive au quartier, marche partout. Il entre dans toutes les maisons, comme on le fait depuis l'enfance. Quand il arrive ici, il n'a pas de vie. Il garde son véhicule, il marche à pied, maison par maison. Il voit ses frères, les familles. Il dit qu'il est dans sa famille, parce qu'il connaît toutes les familles. Aujourd'hui, je suis à deux participations de Coupe de coopération, 5 Coupes d'Afrique, moi qui paraît risible, 2 Coupes du Monde, et ce qui nous reste encore à vivre, et entre autres, ces Jeux Olympiques dont on a parlé. J'ai passé beaucoup d'années hors de la sélection contre mon gré. Contre mon gré. Il y a très peu de footballeurs camerounais en exercice qui n'aimeraient pas être sélectionnés. Mais j'ai toujours accordé le respect à tout ce que je fais. Je respecte toujours les choix d'un entraîneur. À qui les assume? Et moi, je continue à bosser. Retour dans ce studio avec notre invité Idriss Kalos Kameni, si vous voulez bien. On va parler à présent de la Coupe du Monde qui commence dans 2 jours. Alors, pour vous, quel est le pays qui pourrait, à votre avis, éventuellement succéder à l'Allemagne? L'Allemagne elle-même. Ah oui. L'Allemagne elle-même. Oui. Bon, vous savez, on parle de l'Espagne. C'est vrai que les dernières compétitions n'ont pas été celles que beaucoup, surtout les fanatiques de l'équipe espagnole, attendaient. Mais il y a de la qualité, oui. Il y a du potentiel. Ils peuvent faire quelque chose de bon. Après, il y a des équipes enthousiastes et avec des jeunes talents comme la France, oui. Et qui peuvent bouger. Bon, on a l'Argentine de Messi qui est attendue. Et beaucoup de pression pour Léo, oui. Parce qu'il veut à tout prix. Ouais, remporter un titre. Gagner cette
Coupe du Monde, bon, ce sera pas... C'est un peu difficile à vivre pour un grand joueur comme celui-là qui, malheureusement, ne semble pas faire l'unanimité en sélection nationale, non ? Oui, c'est... Comment vous vivez en général ça ? Non, c'est-à-dire vous êtes extraordinaire en club, mais vous arrivez en sélection nationale, ce n'est pas toujours ça. C'est très difficile, vous savez que le travail ou la vie en club, est... tout est différent en sélection. Mm. On ne joue pas... En sélection, on se retrouve de manière momentanée, c'est... une semaine, 4 jours pour préparer un match. Mm. Et pour des compétitions, des grandes compétitions, c'est 3 semaines. En club, vous passez 9 mois avec le même entraîneur et les coéquipiers que vous connaissez à la lettre et tout roule. Je me souviens à un moment donné, les Camerounais demandaient pourquoi est-ce que Samuel Eto'o n'avait pas le même rendement en équipe nationale que Barça. Oui. Je dis, le gars se retrouve dans un registre différent de la sélection, c'est le cas de Léo en Argentine. Mais je pense qu'il a beaucoup de pression parce qu'il est toujours comparé à Maradona. Et Maradona a remporté une Coupe du Monde et c'est lourd pour lui. Ouais. Et tant qu'il ne l'a pas, il ne sera pas... Je pense qu'il ne sera pas tranquille. Mais... Et surtout que Maradona lui-même, il est très critique envers, ouais, on connaît. envers Messi. On connaît, ce qui n'est pas de nature à beaucoup rassurer Lionel quand même. On connaît un peu Diego. Oui. Mais toujours, je ne dirais pas la grande bouche, oui. Mais ça parle beaucoup. Et ce n'est pas facile pour Léo de vouloir faire ce que Maradona a fait, c'est gagner une Coupe du Monde. Parce que Léo, il faut le reconnaître, c'est le meilleur joueur. Oui. Le monde et moi, bon, j'espère seulement qu'il puisse, je souhaite qu'il arrive au bout, qu'il gagne cette Coupe du Monde afin de pouvoir avoir cette consécration totale, oui. Générale, parce que je vous dis, on parle souvent de la dualité du journalisme au Cameroun, mais oui. En Argentine, c'est farouche. Ah oui. Donc, comparé aux journalistes argentins, ceux du Cameroun, c'est des mous. Non, c'est rien du tout. Très bien, ça nous rassure. Alors, l'Afrique est représentée par, on l'a dit, le Nigeria, la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal et le Maroc. Alors, laquelle de ces équipes vous semble la plus séduisante ? Le Maroc. Maroc. Le Maroc, c'est un groupe qui travaille ensemble depuis près de 2 ans et qui ont des bons éléments, évoluant à l'étranger dans de très bons championnats. Oui. Et je pense qu'ils sont dans une poule accessible, ils peuvent faire quelque chose. Par contre, on n'est pas à l'abri de surprises. Qui dirait surprise, c'est toujours agréable de voir... un continent africain passé au second tour. Oui. Et il y a la possibilité. Je ne connais pas l'état de santé de Salah. Je dis toujours, je respecte le collectif. Mmh. Je ne fais pas passer un joueur devant les autres. Et avec lui, l'Égypte a une belle nation. Ils peuvent faire quelque chose. Mmh. Bon, on verra aussi le Nigeria qui est toujours là. Oui. Qui est toujours là. Et bon, après, ça cale. Oui. Donc, tout est possible. Mais je vois bien... Le Maroc fait une très bonne fin. Alors, en général, pour parler un peu du cas Mohamed Salah, même si pour vous, vous l'avez déjà dit au moins 2 fois, le football, c'est un sport d'équipe et donc il ne faut pas faire passer des individualités au-dessus de tout. Mais quand même, lorsqu'on est dans un groupe et qu'on perd l'un de ses meilleurs atouts comme celui-là, c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas encore définitif, il y a encore de l'espoir au bout. En général, comment vit-on ça ? C'est lourd, hein ? Oui. C'est dur. Parce qu'on ne parle pas d'un seul match. Non. Où on dit, bon, celui qui est là pourra faire une taf et on va voir comment ça va se passer. On parle d'une grosse compétition, voilà, où on aura besoin de tous les éléments, mais on a besoin aussi de nos maillons forts. Donc c'est lourd, c'est lourd. Oui. Vous regarderez cette Coupe du Monde à la télé, parce que le Cameroun n'a même pas été capable de se qualifier. C'est quand même terrible, non? C'est terrible. Je ne sais même pas si je regarderai parce que... Quand on manque une compétition comme celle-là, on a les jetons et on a un peu les boules. La dernière qu'on a manquée, c'était celle de 2006 ouais. En Allemagne. Ouais. Ouais, c'était lourd et oui. Je ne peux pas vous parler des matchs. Je me souviens juste du penalty oui. De la finale France-Italie, c'est vrai. Je n'ai pas regardé parce que j'étais pas bien. Toujours avec cette sensation de
on aurait pu être là. Oui. On avait tout pour être là. Oui. Et chaque fois que ça revient, ça vous fait mal. Donc, les après-midi, je me retrouvais à jouer avec les amis au calcio, comme j'adore jouer au calcio. Oui. Je jouais au calcio où j'allais faire des footings. Alors, le Cameroun, vous avez participé aux éliminatoires. Vous avez fait deux matchs contre le Niger, aller-retour, et après, plus rien. Ouais. Non, c'est le Cameroun, notre cher pays, avec ses hauts et bas, et c'est tous ces moments de flottement. C'est vrai que j'ai fait le match du Niger, aller-retour. Oui, on avait gagné 3-0 et après, 0-0. Il y a eu ce vide-là. Bon, on avait toujours du respect. Quand je ne suis pas appelé, je respecte le choix de l'entraîneur. Je souhaite bonne chance à toute l'équipe parce que pour moi, je pense. Alors, quand vous n'êtes pas, vous dites quand vous n'êtes pas appelé, vous souhaitez bonne chance à toute l'équipe avec bon cœur, franchement. Je vous dirais sincèrement, il y a des moments où on est égoïste, on aimerait que les choses se passent mal. Oui. Mais quand on parle de qualification d'une compétition comme la Coupe du Monde, je ne pourrais pas souhaiter que les mecs ils perdent parce que je sais que s'ils perdent, je n'aurai pas la possibilité de jouer à la Coupe du Monde. Oui. Même quand vous êtes écarté d'un groupe, vous vous dites – je pourrais revenir. – Un jour, je pourrais revenir. Il faudrait que ce soit avant cette compétition, vous comprenez. Donc, à un moment donné, ça vous fait mal, mais vous acceptez sportivement parce que, comme dans l'intérêt du pays, le vôtre, il faudrait que cette équipe se qualifie. Alors, ben, vous avez bien fait d'espérer, parce que vous êtes de retour. Le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football, Maître Dieudonné Appy, a entrepris il y a quelque temps de faire revenir en sélection nationale un certain nombre de joueurs qui étaient en rupture de banc avec les Lions indomptables depuis quelque temps, donc vous en faites partie. Qu'est-ce qui vous a motivé ou alors qu'est-ce qui vous a décidé à revenir alors que beaucoup pensaient que c'était terminé avec l'équipe nationale de football du Cameroun? Ça fait pas mal de temps quand même que vous êtes en dehors de cette équipe-là. Oui, vous savez, c'est pas la première fois que je me retrouve dans ces situations. Oui. Toujours banni entre guillemets. Oui, entre guillemets, banni quand on s'arrange certaines personnes parce que Kameni est souvent un élément perturbateur extra dans le domaine extrasportif. Oui. Parce que dans un groupe, je suis aimé et adoré, choyé par mes aînés et aimé par mes jeunes frères. Et il n'y a jamais eu de problème. J'ai souvent posé la question à savoir, quand on parle des autres qui, pour un seul jour, donner un seul exemple du désordre que Kameni a eu à faire dans cette sélection. Je suis entré en sélection A lors du match France-Cameroun en 2000. On parle aujourd'hui de 18 ans. Mais chaque fois, on a toujours raconté des choses. Et bon, parce que les Camerounais sont informés. C'est la radio, c'est la télé, ils voient les matchs, mais à la radio, on dit, chacun appelle les gens qui sont payés pour faire certaines missions, qui souvent des choses très, très dures et très salissantes, vous comprenez. On a eu cette période, par exemple, de 2010 à la sortie d'une compétition où on a parlé d'un manque de concentration de ma part parce que ma femme avait fait un enfant métis. Oui, avait accouché un enfant métis. Vous savez, ce qui laissait sous-entendre, pardon, de le dire, c'est vous qui avez évoqué ce sujet, hein, ce qui laissait sous-entendre qu'elle vous avait trompé. Oui, mais si jamais c'était le cas, je ne pense pas que ça a une importance au niveau. On se dit que psychologiquement, un gars cocu, ça ne doit pas être très concentré. Non, mais ce gars cocu ne devrait pas prendre part au stage. Oui. Il fait ses valises, il rentre, s'il n'est pas bien. Quand il descend dans l'arène, c'est pour défendre valablement les couleurs de son pays. On ne parle plus du sportif, on parle d'un soldat. Oui. Vous comprenez? Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont toujours été. Qui sont sorties comme ça. Moi, parfois, ça m'a fait rigoler, mais c'est malsain, c'est gamin. Et je respecte beaucoup votre profession et je le dis toujours à des amis qui sont journalistes, faites bien votre boulot, allez à la source, renseignez-vous parce que le Camerounais lambda qui ne regarde pas la télé, qui suit la radio, a besoin d'avoir les informations correctes et quand vous faites ça, vous trompez toute une nation. Et si vous êtes payé pour certaines choses, ce n'est pas correct. Donc pour dire
Il y a toujours des moments où vous êtes écarté d'un groupe et quand on revient vers vous, ces mêmes gens, c'est parce qu'ils savent que vous êtes important, que tout ce qui avait été tissé n'était pas vrai. Alors, mais ça a eu son moment. Oui. Et maintenant qu'on a besoin de vous, vous revenez, mais je suis un patriote. Oui. Alors vous pensez vraiment qu'on a besoin de vous dans cette équipe aujourd'hui? Je le pense, sinon Maître Tapie n'aurait pas appris ses démarches. Alors parce que je vous pose la question, parce que vous revenez quand même dans un contexte particulier. Votre absence a permis de faire découvrir un autre gardien de but, un jeune gardien de but, Fabrice Ondoa, qui a plutôt assuré. Alors, ça va être la concurrence ou alors vous estimez que naturellement vous êtes au-dessus de lui? Non, non du tout. Vous savez, j'entends souvent dire, ce sont les enfants de Kamini. Non, ce ne sont pas mes enfants. Ce sont des jeunes frères. Des coéquipiers. Des jeunes frères que j'adore, que je respecte, que j'ai eu encadré d'une manière ou d'une autre. Mais quand je suis en sélection nationale, ils sont des coéquipiers. On est là pour le même poste. Après, c'est un entraîneur qui décide. Je suis très content de la CAN faite par Fabrice. Oui. J'ai eu à échanger plusieurs fois avec Fabrice quand il était en sélection. Oui, et justement, vous avez déjà eu au moins un ou deux stages avec lui, non? Oui, oui, oui. Ça s'est bien passé. Et même quand je n'étais pas, je l'appelais parce que celui qui regarde, comme on est lambda qui regarde un match de foot, ne regarde pas comme la visée que je suis spécialiste en matière. Je peux voir certaines choses que d'autres ne voient pas. Mm-hmm. Et c'est dans son intérêt. Et si je l'aime bien, de lui dire, je pense que on échange. Vous comprenez? Et je reviens, pourquoi je reviens? Je ne regarde pas s'il y a un moment ou un autre. Non, je suis patriote, je reviens pour ma nation. Oui. Et je me sens redevable. Ce n'est pas un hasard si je suis né au Cameroun. Et le Cameroun m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup donné. Et je dis, j'ai quelque chose à donner à cette nation. Tant que physiquement, Dieu me donne la santé, la possibilité de le faire, je le ferai. Oui. Et ils vont essayer de m'empêcher de faire certaines choses, mais je serai toujours à la disposition de mon pays. Alors, beaucoup estiment, pardonnez-moi cette outrance, que Kameni est vieux et fini. Qu'est-ce que vous répondez je pense, à ces gens qui pensent que vous deviez tirer votre Je pense que même ces gens qui le disent ne le pensent pas. Ah non, mais pourquoi ils le disent alors? Parce qu'il y a beaucoup de machinations, il y a beaucoup de trucs qui sont faits. Moi, je vous ai la dit. Thèse du complot, c'est quelque chose que vous adorez. Hein. Non, j'adore. Parce que je suis en sélection depuis près de 18 ans et rien n'est pour rien. Oui. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire qu'un joueur est vieux. J'ai 34 ans. Oui. Bouffon a quel âge? Cassias a quel âge? Ils sont en train de jouer. Bouffon 40 ans. Ouais, ils sont en train de jouer. On n'a jamais entendu parler de vieux dans un pays européen. Adari, le gardien de l'Égypte, il a 47 ans. On n'a jamais entendu parler de 42 ans, oui. On n'a jamais entendu parler de vieux dans ce pays. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on parle de vieux. Bon, vous croyez que c'est clubs-là qui me donnent des contrats de longue durée, de 3 ans, 4 ans, ils n'ont pas, ils ne me voient pas, ils sont fous. Mais ils ont de l'argent jeté par les fenêtres. De me mettre de me faire signer ces contrats, ou bien de ces coachs-là qui me mettent sur le terrain. Il veut perdre des matchs, de dire que ce gardien il est fini, mais je vais le mettre. Mais je crois que ça n'a pas. Aujourd'hui, j'ai combien de matchs en première division? Je voulais chercher et voir le gardien africain qui s'approche de ces stats. Vous revenez me voir. Bon, mais en équipe nationale, enfin, on pense que ce n'est pas exactement la même chose qu'en club. Est-ce que vous pouvez encore avoir flexibilité de 2000? Ça fait quand même 18 ans. Mais Jean-Bruno, c'est ce que je vous dis. J'ai fait un stage où les kinés qui nous étiraient et sont restés bouche bée. Vous parlez de flexibilité, de souplesse, de tout ce que vous voulez. Et comme on dit en Afrique, surtout au Cameroun, c'est au sol. C'est au sol. Oui. Et vous voyez ce que je fais tous les week-ends. Vous voyez ce que je fais tous les week-ends et vous jugez moi sur ce que je fais pendant les stages. Ne vous arrêtez pas sur l'âge. Donc, ça vous rien pas à dire, Carlos Kameni n'est pas fini. Non, il est loin d'être fini. Je pense que pour ceux même qui souhaitent que ce soit le cas, il n'y a que celui qui est là-haut qui sait quand est-ce que je vais arrêter. Aujourd'hui, je me sens comme à mes 18 ans. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de fraîcheur. Et vous savez aussi, avec quand on parle d'expérience, l'expérience, c'est ce que vous vivez au quotidien, ce que vous faites de ce que vous vivez. Et on apprend
à gérer les, pas seulement les efforts, son quotidien, l'alimentation, le repos, et tout ça, cette hygiène de vie peut vous permettre de tenir beaucoup, beaucoup longtemps. Au-delà des qualités techniques, je veux bien croire que vous n'êtes pas fini, que vous avez encore toute votre fraîcheur. Au-delà des qualités techniques, athlétiques et tout ce que vous voulez, jouer dans une sélection nationale, c'est également un état d'esprit, la discipline. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais on vous reproche, quand je dis vous, ce n'est pas forcément vous uniquement, vous et vos, un certain nombre de parmi vos coéquipiers, d'être des fauteurs de troubles au sein de cette équipe nationale. Et en fait, on ne vous met pas de côté forcément pour vos prestations, mais pour l'état d'esprit. – Jean-Bruno, je voudrais vous dire une chose. – Oui. – Je suis aujourd'hui à la tête d'une structure qui est ICK Fondation. – Oui. Si j'ai un fauteur de troupe, je tire son attention. Oui. Une petite tension, une mise à pied. Si ça continue, je l'écarte. Ah, vous l'écartez carrément du groupe? Oui, oui. Après ces étapes, je l'écarte. Oui. OK? Parce que quand vous avez un joueur qui ne respecte pas la discipline du groupe, vous n'allez nulle part. Très bien. OK? Quand Kamini et autres sont bannis et qu'un an après, on revient, on va les chercher, ça veut dire que ce n'étaient pas les fauteurs de troupe. Non, ça veut dire peut-être qu'on espère qu'ils ont changé. Bon, et après, ce n'est pas la première fois que je suis écarté de sélection, que je suis ramené. Oui. Vous comprenez, c'est à 34 ans, aujourd'hui on dirait, mais attendez, on a pas cessé d'attirer son attention, il continue. Mais je vous dis aussi qu'une seule personne, qu'une seule, que ce soit dans votre émission ou pas tout ailleurs, disent Kamini et tel et tel ont fait ceci contre ce qui était demandé, qu'on se retrouve, qu'on en discute et vous verrez personne. Alors, l'un des reproches qu'on fait à vous et vos comparses qui avaient été, entre guillemets, qui avaient été virés de cette équipe à un moment donné, c'est que vous êtes des footballeurs professionnels, vous évoluez dans des clubs où il y a une discipline de fer, vous ne l'ouvrez pas, mais on a le sentiment que quand vous arrivez en équipe nationale, la tanière devient une espèce d'abbaye de Télème, chacun fait ce qu'il veut et tout ça, on joue aux cartes où on mise de l'argent, les gens s'offrent des escapades nocturnes et tout. Est-ce qu'il y a une différence de gestion peut-être de votre carrière en sélection et en club? Je vous ai dit tout à l'heure que la sélection et le club, c'est très différent. Mais je vais vous dire qu'en sélection… Alors qu'est-ce qui fait problème dans… En club, on a plus de liberté. En club, aujourd'hui, vous retrouvez des clubs où il n'y a même plus de mise au vert. Il y avait deux matchs, vous dormez à la maison, vous vous retrouvez à 11h, vous déjeunez, vous faites la sieste et vous jouez au Barça. Ils se retrouvent souvent, ils mangent le midi, ils vont chez eux faire la sieste, ils se retrouvent à 18h pour jouer à 21h. On vient en sélection, on est interné. Oui. Personne ne quitte sa chambre. Vous comprenez? Non, non, moi je vous dis, quand je dis, on dit souvent Kamini et tel, mais personne ne peut vous dire aujourd'hui que Kamini a déjà posé un acte d'indiscipline, que Kamini a déjà quitté sa chambre, que Kamini est allé contre le règlement intérieur. Bon, si ce n'est vous, ce sont les autres. Mais les pourquoi autres Kamini est toujours cité? Oui. C'est la question. Pourquoi Kamini est toujours cité? Ça va être Kamini et un tel. Ça va être ceci. Mais c'est n'importe quoi. Vous me parlez des jeux de cartes. C'est aujourd'hui que les jeux de cartes existent. J'ai parlé avec mon papa Tommy. À leur époque, il jouait aux cartes. Nous, on a joué aux cartes, on a gagné des compétitions. On a joué aux cartes, on a jamais parlé du jeu aux cartes. Mais quand ça tourne mal, il faut qu'on dise quelque chose. Les joueurs, ils jouent aux cartes. Mais vous êtes entraîné l'après-midi. Nous, aujourd'hui, je vois des jeunes avec des PlayStation et tout ça. Nous, on voyageait, on avait des cassettes, des trucs vidéo, la VHS. Après le dîner, on mettait tous ensemble. C'était ces moments de familiarité, on se connaissait plus, on regardait si quelqu'un avait un coup de fil à passer, il s'est détaché, il le faisait, et après ça, on avait toute la soirée, on pouvait jouer aux cartes, 1 heure, 2 heures, et on savait qu'on doit se reposer, parce que le lendemain, on a une rute, c'est un entraînement. Oui. Nous sommes des professionnels et des responsables. Et on doit aussi accepter qu'on peut aller à une compétition
on fait tout comme il le faut, mais ça ne se passe pas bien. Vous comprenez? Mais il y a des compétitions. Vous savez comment on a gagné les Jeux Olympiques? Vous savez comment on a préparé les Jeux Olympiques? Et à la fois, on est champion olympique, mais on se dit qu'il y a eu une organisation géniale, exceptionnelle. Ce n'était pas le cas. Mais ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. On est parti aux Jeux Olympiques. Vous avez gagné dans le désordre. Il y a les certains, quand je dis désordre, non, mais il y avait des regroupements où certains joueurs étaient, d'autres n'étaient pas. Et ceux qui devaient normalement aller aux Olympiques, qui étaient attendus, ne sont pas venus. Et il fallait qu'on appelle des joueurs de dernière minute. Vous comprenez un peu? Et c'est comme ça qu'on est parti. On a gagné les Olympiques. Mais il y a des stages où on a été sérieux, où on est arrivé. Tous ensemble le premier jour, on a bien bossé, mais on n'a pas pu gagner parce que c'est comme ça le sport. Mais il faut toujours qu'on cherche quelque chose quand ça ne va pas, surtout des trucs extra-sportifs. Oui. – Alors beaucoup de journalistes et puis des commentateurs de football qui parlent de l'équipe nationale de football du Cameroun pointent un problème d'organisation, pointent un déficit managérial dans la gestion de l'équipe nationale de football du Cameroun. Est-ce que vous diriez la même chose? Il y a, quelque part, ce problème-là se pose aussi. Oui. Et c'est pour ça qu'avec les aînés, on a bossé dur. Pas seulement, on ne parle pas du terrain. Ce que les aînés, et ce qu'on appelle des leaders dans un groupe, font, ce n'est pas ce que nous voyons sur le terrain. Oui. Il y a des stages où on a du mal à trouver le sommeil. Parce qu'il faudrait qu'il y ait l'union dans le groupe. Il faudrait que les autres, les jeunes frères, ne se soucient pas de la tenue qu'ils mettront le lendemain, que tout soit correct, que les primes de stage soient là, qu'il y ait le transport, que la logistique soit... Ça, nous, on a eu affaire. Moi, je suis arrivé avant les primes au Cameroun, les primes, par exemple, on parle des primes. C'était les primes olympiques. C'était quoi, 5000 francs, 7000 francs la journée. On a travaillé pour que ce soit 500 000 quand le gars arrive et il a son enveloppe. Il ne pense qu'à jouer. On a eu ça avec le ministre Mbargamboua où on arrivait à la sortie de l'ascenseur. On avait une enveloppe et un mot de bienvenue, de remerciement. Ah oui, carrément. Oui, de remerciement. Vous avez votre prime et vous avez sur votre lit, vous avez vos équipements. Vous ne pensez qu'à jouer. Oui. Et c'est des petites, c'est ce genre de trucs qu'on a eu à faire. On a eu à voyager et les avions privés. On pense que c'est tellement cher. Non, c'est pas cher. C'est bien s'organiser. Et on se donnait rendez-vous à Paris. À telle heure, tout le monde était là. On prenait le vol et on allait jouer. On finissait le match et on repartait. Et c'est comme ça qu'une vie de groupe se construit. Il y a beaucoup de choses de ce genre. Et c'est nous et les aînés qui avons fait ce travail. Mais après, demain, quand vous faites tout ça, et il faut à un moment donné aller dans un sens qui n'est pas ce que vous voulez. Il faut qu'on écarte certaines pièces parce que, ayant ces éléments, la gestion serait biaisée, vous comprenez un peu. – Quel est pour vous, parce que dans le monde entier, hein, on parle des lions indomptables toujours en termes de crise dans la tanière, vous êtes quand même dans cette équipe nationale là depuis très longtemps, quel est le stage pour vous qui aura été le plus désastreux de toute votre carrière en équipe nationale ?– Un stage désastreux. En termes d'organisation, hein, je veux dire. Seulement, il y a souvent des petits manquements. Oui. Mais je ne dirais pas désastreux. Mais je vais vous dire une chose. Souvent, on se sert de ces petits manquements pour être encore plus fort. Vous comprenez? Oui. Pour rendre la chose belle à la fin. Je vais vous parler d'un stage de regroupement pour la Coupe d'Afrique 2002. Oui. On va au Burkina. On a une tenue. À une seule tenue. Et un bermuda rouge et un polo jaune. Oui. Ah oui, le fameux maillot jaune que les Camerounais n'aiment pas. Non, non, c'était les polos, c'était juste la tenue pour rester à l'hôtel. D'accord, oui. On revient, on fait le match de revoir. On doit aller au Mali. On est dans le Caribou. Oui, l'avion militaire, le C-17. Il faut mettre des cartons de Tanguy sous les filets pour pouvoir s'asseoir.
Ça, c'est une équipe nationale qui va jouer une Coupe d'Afrique. Ah oui, quand même. Hein. Ceux qui organisent les déplacements n'ont jamais parlé de ces moments-là. Oui. Mais non, on ne s'est pas plaint. On était choqués. Mais et vous avez gagné on était solidaires. On est allés. On est arrivés à Sikasso. Il y a des chambres où on ouvrait les frigos. C'est des cafards qui sortaient. Il n'y avait pas les matelas. Il y avait pas... Oui, je vous dis. On est allé manger. La bouffe n'était pas prête. N'était pas bonne. Ça, c'était le ressort de la Fédération malienne. Son Excellence, M. le Président de la République et la Première Dame, ont mis à notre disposition un caribou oui. où on était ravitaillé en nourriture. On a joué, mais la tenue, qu'est-ce qu'on faisait? On s'entraînait. Quand on partait à l'entraînement, tu lavais, tu mettais au soleil. Quand tu revenais, tu récupérais. Non, oui. Sérieux? C'est sérieux. Mais on a gagné la Coupe d'Afrique. On n'était pas. On n'a pas. Il n'y a pas eu de. Waouh, les polos, tout ça. Non. Mais tout ce qu'on disait tout le temps, c'est on espère. Que dans les années à venir, ça va changer. Et que nos petits frères, quand ils viendront à l'équipe nationale, que ce soit dans les catégories inférieures, qu'ils aient les tenues. Il y a des stages ici, en équipe nationale Fagnon, où on a joué, on a remis les tenues qu'ils ont lavées, ils ont mis dans les plastiques de pressing pour remettre aux jeunes qui venaient dans les catégories inférieures en stage. Ouais. On le sait. Mais on fait ça pour notre pays. Ouais. On aurait pu prendre ses tenues et partir. Nous, on a pensé à nos petits frères. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en pensant aux sélections inférieures. Ouais. Est-ce que Idriss Carlos Kameni revient en équipe nationale si votre retour est acté par le futur entraîneur? Est-ce que vous revenez avec un nouvel état d'esprit? Le nouvel état d'esprit, c'est lequel? Moi, j'ai toujours eu un état d'esprit, ouais. C'est de venir défendre les couleurs de mon pays, c'est ma nation qui m'appelle. Oui. Alors, oui, si le sélectionneur estime que pour une raison ou pour une autre, vous devez rester sur le banc de touche pour applaudir Fabrice Ondoa, vous le ferez de bon cœur. Il y a Onana. Ou alors Janvier. Il y a peut-être un autre gardien d'ici quelques mois qui fera de très bonnes prestations, que ce soit au Cameroun oui. ou ailleurs, qui pourrait être appelé. Quand on est appelé en équipe nationale, on vient défendre les couleurs de sa nation. On est prêt à toute éventualité. Oui. Quand vous venez, on ne connaît pas qui va jouer. Vous venez et l'entraîneur, au bout du stage, va juger par rapport à son système. Parce que ce qui se dit, c'est que vous n'aimez pas chauffer le banc. Vous pouvez me dire un footballeur qui aimerait être assis sur le banc de touche? Bah, et donc, quand vous chauffez le banc, vous grognez un peu. Et donc, non, je ne grogne jamais. Oui. Et si je vous dis que je suis content, c'est que je mens. Oui. Tout footballeur, celui qui est content d'être assis au banc de touche, qu'il ait cette profession. Moi, je ne vais pas vous dire des conneries. À ce niveau-là, on est égoïste. Oui. On aimerait tous jouer, faire partie du 11 entrant. Mais après, il faut accepter. Et il faut respecter. Et mettre celui qui va jouer dans de très bonnes conditions. Ça, c'est comme ça. Oui. Moi, j'ai joué pendant combien d'années en équipe nationale? Moi, j'ai fait les éliminatoires de la Coupe du Monde, 2010. Oui. J'ai joué tous les matchs. Mais tous les matchs, même au match amicaux, j'ai fait toute la CAN en Angola. Oui. Je suis arrivé au Mondial, Paul Ogwen m'a mis sur le banc de touche. Ah, ça vous a énervé, hein? Bah oui. Oui. Mais oui, j'étais énervé. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Bon, après, le coach, il a peut-être décidé qu'à ce moment, Souleymane était meilleur que moi. Oui. Mais c'est ce coach. Il paraît que l'ambiance était tellement pourrie au sein de la tanière en 2010, justement, par rapport au poste de gardien de but, qu'on a dû faire le tirage au sort. Non, l'ambiance n'était pas pourrie au niveau du gardien de but. Il y a un malaise général, parce oui. que vous voyez l'équipe oui. qui a qualifié, mmh. et vous regardez l'équipe qui débute. On comprend que le coach fait ses choix. Au point qu'on est arrivé à lancer la pièce en l'air. Il y avait trop de points d'interrogation. Oui. Vous comprenez, il y avait oui. trop de points d'interrogation. Mm. Parce qu'il y a une chose au Cameroun, on aime dire que le joueur est vieux. Oui. On a commencé les éliminatoires en perdant un match au Togo. On fait un match nul à Yaoundé. Il nous faut gagner tous les matchs pour être qualifié. Mm. On parlait des joueurs vieux. On part au Gabon, on gagne. Trois jours après, on gagne à Yaoundé. On gagne le Togo, on se qualifie. On ne parle plus de joueurs vieux. Ouais. On fait la Coupe d'Afrique, oh ouais, elle n'est pas bonne, c'est les joueurs sont vieux. C'est les mêmes qui venaient de qualifier le pays. Mm. On arrive en Coupe du Monde, ces joueurs ne jouent pas. J'étais parmi ceux qui avaient qualifié. Je vous cite, du 11 en 30, tous ceux qui s'étaient retrouvés au banc de touche. Kameni, Rigobert Song, oui. Jérémy Nditap, Alessandro Song, Achille Mana.
Ça fait 5, je ne sais pas qui, j'oublie quelqu'un d'autre. Ouais. Vous comprenez 5 habituels des 11. Il y a un problème, non? Bon, peut-être en ce moment-là, le coach a jugé que les 5 n'étaient pas bons. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On s'est assis, on a regardé les autres jouer. Vous comprenez? Le tel et puis c'est lequel? C'est d'être là. Vous avez regardé les autres se noyer plutôt. Non, non, pas se noyer. Je ne sais pas si se sont noyés. Ils sont sortis avant dernier. Mais, ça arrive, c'est ça le foot. C'est ça le foot. La catastrophe. Et je suis resté tranquille. Oui. Je suis reparti, mais quelques temps après, j'ai appris que j'étais banni. Alors, dernière chose pour sortir de cette partie de l'émission. Vous revenez, on l'espère, en équipe nationale. Alors que le Cameroun a remporté la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec une sélection qui n'avait rien d'extraordinaire, il n'y avait aucun grand nom dans cette équipe-là, avec tout le respect qu'on doit à cette équipe-là. En 2019, ce qu'on attend des Lions Indomptables, c'est d'être au moins finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations que nous accueillerons au Cameroun. Est-ce que, pour vous, il y a des chances ? Vous savez que le Cameroun est... On n'a plus de joueurs. Vous savez que le Cameroun est maître en matière de... Quand on ne l'attend pas, il... Oh, mais c'est gênant, je pense. C'était juste pour parler de la dernière CAN. Mais on parle d'une CAN qu'on organise chez nous. Oui. On est favori parce que c'est à la maison. Oui. Ça, il faut le mais dire. Mais la pression est aussi forte. Hein. Elle est très forte. À tous les niveaux. Elle est très forte. Champion en titre... Et organisateur. Le titre même là, c'est secondaire. Mais oui. Vous savez, parce que ça faut comme jeton de jouer en fin d'année. Hein. Oui. Ce n'est pas évident. Vous comprenez? Et de jouer une compétition comme celle-là, qui est à la maison, tant attendue à la maison, c'est pas donné. Mais je sais que aujourd'hui, on parle des jeunes qui jouent dans notre grand championnat, qui abordent des derbies tous les week-ends et qui peuvent être au-dessus d'une certaine pression. C'est de bien préparer l'échéance et pouvoir arriver au jour J dans de très bonnes et les meilleures conditions. Merci. On va prendre une petite pause pour regarder l'une des rubriques de cette émission, c'est l'invité inattendu. Nous sommes allés rencontrer quelqu'un qui vous connaît très bien et qui a décidé de parler de vous. C'est une petite surprise. Voici l'invité inattendu. Idriss Carlos Kamini, écoutez, c'est un garçon que je considère, je vous le dis d'entrée de jeu, comme mon fils. Je l'ai connu dans le sport, au sein de l'équipe nationale, et c'est un personnage attachant, remarquable, évidemment un gardien extrêmement doué, et qui met ses dons et ses qualités au service et de ses équipes, de l'équipe nationale et du Cameroun tout court. Je crois que Carlos, je l'ai vu dans l'équipe nationale, évidemment avec d'autres joueurs, mais nous parlons de Carlos, comme un stabilisateur de notre équipe. Quelqu'un qui, à des moments clés, a été la clé de l'équipe nationale et qui a beaucoup apporté. Non, je suis d'abord admiratif de sa carrière, comme beaucoup de Camerounais. C'est un garçon qui a la tête froide. Idriss sait d'où il vient. Et il sait où il va. Et il ne fait pas les choses, au hasard parce qu'il a le sens du travail bien fait, il a le sens, il se connaît le goût du travail et de l'effort. Et il a fait une carrière quand même, il faut le dire, remarquable, jouant dans des grands clubs, préservant ses buts inviolés dans des records, dans des grandes équipes et dans de grands clubs. Je crois qu'il fait une belle carrière. On ne peut pas dire qu'il l'a fait, il est en activité. Il fait une belle carrière qui est due à son goût du travail et qui mérite cette carrière-là. Donc je ne suis pas étonné par ce que ce garçon fait. Et je me réjouis d'ailleurs très fondamentalement qu'il soit revenu à l'équipe nationale parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup à apporter à notre équipe nationale. Lecture de jeu absolument remarquable. L'anticipation dans les buts, c'est un gardien accompli. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Idriss? C'est un gardien vraiment accompli. C'est vrai qu'au Cameroun,
on a une longue tradition de gardiens de but, tous aussi remarquables les uns que les autres, mais certains un peu plus que d'autres. Idriss fait partie du top. Oui, vous m'aviez dit que vous lui ferez une surprise et il doit être très surpris. Je suis sûr, Idriss, qu'au moment où tu me vois à l'écran, tu dois être surpris. Je vais te dire, je n'ai pas hésité du tout quand on m'a dit qu'il fallait parler de toi. Je ne fais pas beaucoup d'interviews ces derniers temps, mais je ne peux pas te refuser cela. Parce que, je te l'ai dit encore il y a très peu de jours, tu t'en souviens, tu es mon fils, Idriss. Et un père ne refuse rien à son fils. Et je te souhaite le meilleur. Je voudrais que tu sois un homme accompli. Je voudrais que tu continues d'être l'homme que tu es, qui est un garçon merveilleux, qui sait s'occuper de sa famille, qui est un très bon père de famille. Et je suis heureux de faire partie de ta famille et encore plus heureux, Idriss, que tu fasses partie de la mienne. Dans ce studio, pour la dernière ligne droite de cette émission, c'était l'invité inattendu, Philippe Bargamboua, ancien ministre des Sports, aujourd'hui ministre chargé de mission à la présidence de la République. Alors, quand on l'écoute, vous avez l'air d'avoir des relations très fortes avec Bargamboua. Oui, c'est très touchant. C'est très touchant de l'entendre. Vous savez, vous pouvez partager le quotidien des gens. Ils souvent s'expriment, mais ne peuvent pas vous dire exactement et d'une certaine manière ce qu'ils ressentent. Ils l'entendent, me fait très chaud au cœur. Dans la vie, on croise des gens. Vous savez, les liens fraternels ne sont pas seulement liens de sang. On est appelé à rencontrer des gens sur notre chemin, mais je crois, et je ne me suis pas trompé, quand j'ai plusieurs fois dit, et que je l'appelle mon papa, grâce à Dieu, mes parents sont encore en vie, je leur passe un bonjour, papa étant un peu souffrant, mais ça va, par la grâce de Dieu, ça va. J'ai croisé des gens qui m'ont marqué, et comme je dis toujours que Tomán Cono, je l'appelle Padrino en espagnol, comme parrain, c'est mon papa, sportif et tout ce que vous voulez, mais je l'appelle Philippe, ouais. Parce que je l'appelle... Ah oui, vous l'appelez Philippe. Je l'appelle, ah. Non, je lui dis, je l'appelle papa. Je l'ai rencontré dans le sport, mais aujourd'hui, c'est les rapports que nous avons vont au-delà du sport. Parce que le Seigneur a permis à ce que nous nous rencontrions et il y a quelque chose qui est né de très fort. Il a toujours été là. Je sais qu'il sera toujours là pour moi parce que ce sont des relations saines qui naissent comme ça et qui vous apportent toujours un plus. Vous comprenez? Et je suis très flatté de l'entendre et surtout de parler de mes statistiques et de ces éloges parce que vous savez quand non n'oublions pas qu'il est un mordu de foot et de sport et avoir ces précisions c'est très touchant. Je lui dis merci. Vous ne rien vous cacher lorsque je l'ai appelé pour lui demander d'être l'invité inattendu de cette émission, il n'a pas hésité, c'est la vérité, il est parti de son bureau pour se rendre disponible pour cette séquence. Bon, on va laisser tomber cette séquence émotion comme ça c'est bon, on revient à quelque chose d'un peu plus dur. À l'époque quand vous étiez dans cette équipe nationale, il y avait un nom de code 1984. C'est-à-dire le 1, 9, 3, 8, 4. Donc 1, Carlos Kameni, 9, Samuel Eto'o, 8, Jérémy Ndjitap et 4, Rigobert Song. Vous régniez en quelque sorte sur cette équipe nationale. Qu'est-ce qui a entraîné la décapitation, si on peut dire, du 1984? Ok, avant de répondre à cette question, oui. Je ne peux m'empêcher. Oui. Je voulais dire merci à mon papa, oui. Philippe, et surtout merci de m'accepter comme son fils. Et je suis très fier
de faire partie de sa famille et qu'il soit aussi, qu'il fasse partie de la mienne. Oui. Pour revenir, 1984. Pour revenir en 1984, vous savez, quand j'arrive en sélection, il y a des aînés comme le feu Marco. Oui, Marc-Vivien Fouet. Oui, et Patrick Moma, Rigaud, Samuel, Jérémy. Et petit à petit, ils m'intègrent dans un peu le noyau. Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils voient en moi, pas seulement les qualités de sportif, mais un peu de réflexion, de gamin, quand il ouvre la bouche, c'est pour dire des choses sensées. Et c'est comme ça que, tout doucement, il me permet d'intégrer ce noyau. Et c'est comme ça qu'avec du temps, le Seigneur a ramené auprès de lui le feu Marco, Patrick, et se retire de la sélection. Donc il reste le fameux 1984. Oui. Et je suis très fier d'avoir fait partie de ce 1984. Ah ouais? Je suis très fier. Et je suis sûr que tous les autres aussi. Et même ceux qui ne faisaient pas partie de ce 1984 sont fiers de ce que nous avons apporté dans cette équipe. Vous savez pourquoi ça, ces cartes ont pesé? Non. On ne pensait pas à nous. On pensait à la sélection. On dit ce sont eux qui faisaient liste. On n'a jamais fait de liste en équipe nationale. Le coach convoquait. Non, mais il était clair que si quelqu'un s'attaquait au 1984, non, comment vous pouvez vous, il était mort. Comment vous pouvez vous attaquer au 1984 qui vous mettait à l'aise? Oui, Pierre Oumé, par exemple, il a eu chaud parce que. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il n'était plus en odeur de sainteté avec quelques membres du 1984. Allons-y, creusons. Oui. Quelle preuve il y a de ce qu'il dit aussi. Non, quelle preuve il y a? Arrêtons. Non, les preuves, on ne va pas les prendre ici. Non, je vous dis sincèrement. Oui. Donc c'est faux. Et c'est faux. Mm. Le 1984 œuvrait pour cette sélection. Oui. Il y a Rigaud, le charismatique qui était capitaine à l'époque. Capitaine et capitaine. Oui. Vous comprenez? Oui. Il était là, il ne prenait pas les décisions. C'est l'équipe qui prenait les décisions. Et nos jeunes frères étaient consultés. Et nous, on travaillait la question. Et quand on allait vers la hiérarchie, le résultat était positif. Et les garçons étaient contents du travail que nous faisions. Oui. Vous comprenez? Qui pouvait s'attaquer au 1984 si tout le monde était à l'aise? Moi, j'étais dans le 1984, j'étais l'un des plus jeunes de la sélection. Samuel était là, Jérémy, toujours près de tout le monde. On voulait savoir si tout le monde était à l'aise, s'il y avait un problème, si on pouvait améliorer les stages, si il y avait quelque chose. Et quand on avait. C'était un fonctionnement syndical, quoi. Oui, on avait ça. Oui. On allait vers la hiérarchie. Et on exigeait certaines choses pour que nos frères soient à l'aise. Vous savez pourquoi ce 1984 a été disloqué? Non. C'est parce que ceux qui étaient à la tête de la FEDE ne s'y retrouvaient pas. Parce qu'ils savaient qu'un groupe uni ne pouvait pas céder à tout ce qu'ils faisaient. Oui. Ils avaient un groupe uni. On parle du 1984, c'était l'équipe nationale. Oui. Vous comprenez? Et quand on disait A, on ne disait pas que tel a décidé. On disait que les joueurs, le groupe... Vous comprenez? Oui. Le groupe a décidé et c'était comme ça, on ne bougeait pas. Est-ce que ce n'est pas plutôt la transition ou alors le passage de témoin entre le capitaine Rigobert Song et son successeur au poste Samuel Eto'o qui s'est mal passé et a décapité le 1984? Je pense que c'est à partir de là que tout s'est gâté. Oui, qu'il y a eu, il y a commencé à avoir des... Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la transmission du pouvoir entre Rigobert Song et Samuel Eto'o? Je pense que aujourd'hui, avec un peu de recul, c'est déjà passé, on peut en parler. Oui, on en parle tous les jours. Oui. On en parle tous les jours. J'ai Jérémy au téléphone tous les jours, j'ai Samuel tous les jours, j'ai Rigaud. Vous comprenez, il n'y a pas... Si vous demandez au cadre quel problème vous avez, personne ne peut te dire qu'il y a tel problème. Oui. C'est ces gens-là qui ont voulu disloquer ce groupe, ils ont réussi. Pourquoi? Parce que quand vous parlez du capitanat, le capitaine de l'équipe nationale, c'était Rigobert Song. Oui. Qui était le vice-capitaine? Dites-le nous. Jérémy. Jérémy, oui. Le deuxième vice, c'était Samuel. Vous comprenez? Quand vous passez du 1 au 3, il y a un problème. Et pour que le 1... Alors, on aurait dû passer de Rigaud à Jérémy pour respecter la hiérarchie. Vous comprenez? Oui. Si vous le faites, ça va poser problème déjà parce que vous enlevez le capitaine à Rigaud sans aucune raison. Oui.
on n'avait pas de raison d'enlever le brassard à Rigaud. Si vous décidez que Rigaud ne joue pas. Ah, il commence à vieillir. Hein. Non, non. Est-ce que le capitaine-là, c'est lâche? Oui, mais il nous a tués à la Coupe du Monde, non, à la CAN 2008. Qu'est-ce que vous dites au Ghana? On sort d'où pour arriver en finale? On perd la finale à cause de Rigobert. Nous sortons d'où pour arriver en finale. Ouais. On était abandonnés à nous. Oui. Hein, c'est, quand c'est beau, tout le monde est là. On a fait un match contre l'Égypte où on a perdu 4-2 d'entrée. Bon, tout le monde a disparu. Et le ministre est resté, son excellent Roger Mila, et ils sont restés avec nous. Vous comprenez? Oui. Ce sont les gens qui ne nous ont pas lâchés. Oui. Roger était avec nous. Et Personam et Soumba Yenga étaient là. Au décrassage, le lendemain de la défaite, on courait, il n'y avait personne. Il n'y avait que ces 3-4 qui étaient assis là. Tout le monde avait disparu. Mmh. On était abandonnés à nous. Oui. On a pris le taureau par les cornes. On a fait une très grande compétition. Mais on arrive en finale, mais c'est une erreur, fait de jeu. Paul Le Guen, avec qui j'ai discuté à l'époque, pense que Rigobert Song n'a pas été sincère, qu'il semblait avoir accepté le fait qu'on donne le brassard de capitaine à Samuel Eto'o, mais en fait, il n'avait accepté que du bout des lèvres, juste le temps d'être sélectionné pour la Coupe du Monde et patatras au Brésil, en Afrique du Sud, tous gâtent. Non, vous savez, ce n'est pas correct. Que le coach Pipe dit qu'il n'a pas été sincère d'accepter du bout des lèvres et d'aller, bon, après… – Il lui avait dit clairement, hein, je vous amène à la Coupe du Monde, mais vous ne jouez pas. Bon, – il lui a dit. – Parce qu'il semble qu'il devait battre, je crois, un record de participation arrêtez. Au Cameroun, on a également dit à Paul Le Guen qu'il y a une question des aînés et tout, il dit « Ok, je respecte vos traditions, je l'amène, mais il ne joue pas. » – Non, mais attendez. – Et Rigaud a accepté. – Je vais vous dire une chose, bon, mais Rigaud, il a accepté. – Oui. – Ok ?– Oui. – On parle du football. Vous jugez le maçon au pied du mur. Oui. On parle d'une Coupe du Monde 2010. Paul Le Guen, il est arrivé quand? En 2009, oui. Au mois d'août. Oui. On joue en Autriche, c'était le premier match. C'est là où le problème de Brassard commence. Oui, oui. Je vous dis, c'est là où ça commence. Vous comprenez? On parle de vieux. Il vient d'arriver. C'est là où le problème de Brassard commence, oui. C'est-à-dire, expliquez un peu. Parce qu'il arrive, c'est son premier match. Oui. Il arrive et il veut donner le Brassard à Samuel. Et Rigobert est le capitaine depuis 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on accepte, même les plus jeunes ne vont pas accepter. Oui. Parce que nous, on ne fonctionne pas comme ça. Un étranger ne peut pas venir. Vous comprenez? Un étranger. Non, c'est comme ça. Oui. C'est comme ça. On a trouvé quelque chose que les aînés ont laissé. Les l'épaule Thomas Nkono, les canards, tout a suivi. Oui. C'est rigolo, le capitaine, il y a tel. Quand il va partir, tel va prendre. Oui. Vous comprenez? Mais Samuel, c'était notre chouchou. C'était notre enfant. Tant qu'il n'était pas capitaine. Même quand il est devenu capitaine, c'est devenu autre chose. Mais ce que je veux dire, oui. Il était notre chouchou. Il n'avait pas besoin du capitaine. Voilà. Vous comprenez? Oui. C'est à partir de là que commence. C'était notre leader, c'était tout ce que vous voulez. Mais il était à l'aise, il était choyé. Parce qu'on connaît, comment il faut traiter sa mère pour qu'il soit dans les bonnes conditions. Oui. C'est là où ce problème commence. Il arrive à Yaoundé. La première séance, Le Guen, il dit à Rigaud, tu vas être le quatrième défenseur central. Tu ne l'as pas vu jouer. Ah, le quatrième, oui. Il n'a pas fait un match avec toi. Il part de titulaire à quatrième. Mais le sportif qu'il est, automatiquement, se dit qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais faites-moi m'entraîner, faites-moi jouer. Vous me dites j'ai été bidon et vous prenez votre décision. Mais on n'a pas fait des séances d'entraînement. Vous me dites que je vais être le quatrième, pas le deuxième, pas le troisième, pas le quatrième, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ça, ça ne passait pas. Vous comprenez? Bon, maintenant, quand vous dites qu'il arrive en Coupe du Monde, oui. Et il fait du n'importe quoi, il n'a rien fait, Rico. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne jouez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous entraînez. Oui. Il n'a pas manqué une séance d'entraînement. Rico, il s'est entraîné jusqu'au dernier match. On l'a mis, il est entré ou pas? Oui. Mais alors, mais pourquoi on raconte toujours des conneries? En tout cas, depuis 2009, lorsque Samuel Eto'o hérite du brassard de capitaine qu'on a arraché à Rigobert Song, c'est une succession de crises et de contre-performances dans cette équipe nationale-là. 2010, vous êtes avant-dernier de la Coupe du Monde au Brésil. En 2014, vous remettez ça, vous êtes dernier, cette fois avec plein de problèmes de vestiaire. Vous avez également manqué, ce qui est quand même inédit dans l'histoire du football camerounais, deux Coupes d'Afrique des Nations consécutives. On n'a jamais fait pire que ça, avec des vestiaires complètement pourris, quoi. C'était… Mais vous savez, oui. On a côtoyé les premières places, on était habitué. Peut-être il fallait aussi voir à quoi ressemblaient les dernières places. Non, mais c'est pour rigoler. Mais en 2014, par exemple, oui. Kamini n'était pas. Je serais là, sans rien dire, j'aurais été cité parmi les footeurs de troupes. Oui. Vous comprenez, il y a certains mots
qui passe bien dans la bouche. Oui. Vous comprenez? Mais je veux dire, quand vous changez les choses de manière brusque, ça laisse toujours certaines traces. Dans le changer. Changement a été brusque. Ouais, ça a été brusque. Moi, je pense que Rigaud, il avait 6 mois. Après la Coupe du Monde, il arrêtait. C'était l'accompagné. On a mis ces gens-là aussi, mis Samuel dans une situation inconfortable. Quand c'est dit ces gens-là, c'est le coach qui vient et notre administration. Oui. Parce que attendez, le coach il arrive. Comme il dit, pourquoi il amène Rigaud au Mondial quand on lui dit que si on lui dit que au Cameroun, oh ceci, c'est là le droit des nerfs, il faut l'amener au Mondial. Moi, ces gens devaient aussi lui dire, ce brassard-là, ce n'est pas le meilleur joueur, le plus beau, ce que tu veux. Oui. C'est que ça fonctionne comme ça. Il aurait su respecter, donc ça veut pas, ça ne tient pas les deux. Alors, autre crise, vous en avez connu pas mal avec cette équipe nationale. Quand je dis vous, ce n'est pas vous forcément, je veux dire votre groupe. Il y a eu le Marrakech Gate. À Marrakech, je crois que c'est en novembre 2012, si je ne m'abuse, vous refusez d'aller jouer un match amical contre l'Algérie au stade du 5 juillet, alors qu'il y avait 55 000 places déjà vendues, et vous refusez d'embarquer parce que vous voulez être payé rubis sur l'ongle. Vous voulez votre part du magot qui a été déboursé par la fédération algérienne pour ce match amical. C'est du jamais vu, Idriss Carlos Kamini. Quelle mouche a bien pu piquer des joueurs qui refusent d'aller jouer un match qui avait été programmé? C'est très intéressant. Et pour une histoire de 38 000 dollars, vous comprenez moins donc, de 20 millions de francs. Vous comprenez donc que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Vous comprenez? C'est bien que vous ayez parlé des chiffres. On entend souvent dire ils prennent l'argent du contribuable, ils font c'est notre argent, ils font n'importe quoi. Ah, c'est pas faux, hein. Vous avez payé cher quand même. On ne vient pas à cette question pour de l'argent. Si quand je fais un stage au Cameroun, je dépense plus d'argent que je reçois le week-end pour aider des gens et résoudre certains problèmes. Vous comprenez? Ce n'est pas pour l'argent qu'on vient. On vient défendre les couleurs de notre nation. Vous parlez de Marrakech. Je pense qu'il y a eu un moment où Samuel a eu des problèmes dans cette équipe. Oui. C'est parti de Marrakech. Oui, c'était lui le chef d'orchestre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire, Jean-Bruno. On finit un match au Congo, un match de qualification de Coupe d'Afrique. Oui. On va faire un match amical en Guinée équatoriale. On passe par Yaoundé. Déjà, on est au Congo. On doit aller faire un match amical. Il est arrêté. Ce n'est pas nous qui avons signé. Même ces dirigeants ont les documents. Oui. Quand il y a un match, le cachet du match, 50% pour les joueurs, 50% pour l'autre partie. Oui. Vous comprenez? Oui. On arrive en Guinée, on est invité en Guinée, ça veut dire qu'il y a un cachet. Ce n'est pas nous qui demandons le match. Vous comprenez? Oui. On est invité, il y a un cachet. On arrive en Guinée, on nous fait comprendre qu'il n'y a pas de cachet. Le ministre des Sports de Guinée à l'époque, c'est mon ami. Ah. Vous comprenez? Je lui dis, ce n'est pas sérieux. Combien est-ce que vous avez donné? Il rigole, il ne veut pas me dire. Mais ça veut dire déjà qu'il y a quelque chose. Mais il ne veut pas me donner le montant. Oui. Vous comprenez? Donc l'Afrique a foudre à mentir. À ce moment-là, les gars décident de ne pas jouer. Vous comprenez? Oui. Les gars décident de ne pas jouer. Je ne suis pas capitaine. Hein. Oui. Comme Kamini, souvent, il bannit, pousser, revient, pousser, revient. Je ne suis pas capitaine. Oui. Et nous, les consorts doivent aller discuter. Ils m'appellent. Ils me disent, grand, quand on ne peut pas aller sans toi, je dis, je suis quand même allé à l'école. Si je m'assois devant le chef de délégation, il me demande, monsieur Kamini, vous êtes ancien en qualité de quoi? Si j'ai le capitaine devant moi, qu'est-ce que je dirais? Non, on a besoin de toi. Je vais, ils nous disent qu'il n'y a pas de cachet de match. Pourquoi il n'y a pas de cachet de match? Ils ne peuvent pas nous donner une explication. Les gars décident de ne pas jouer. Tout se corse. Je prends sur moi avec l'aide de mes jeunes frères qui m'adorent, qui me respectent. Je dis, les gars, jouons ce match. Si on ne joue pas, ça va être comme d'habitude. Vous voyez, ces lions-là, c'est l'argent, ils ne veulent pas jouer. Les gens ne vont pas comprendre parce que nous, on ne va pas faire d'interview qui sont souvent manipulées. Vous allez essayer de faire passer une information, elle ne va pas suivre. Parce que certains journalistes
intéressés vont faire autre chose. Oui. Jouons. Et on trouvera moyen de régler ces problèmes plus tard. Je suis très content. Mes petits frères m'ont écouté. Ils ont dit, on va jouer. Je leur ai dit, avec témoin, l'agent chargé d'organisation de ces matchs de l'époque, oui. Ribeiro. Oui. Je lui dis, Alex, il y a un problème, il n'y a pas de cachet, mais on va jouer. Marrakech, c'est un tournoi LG. Oui, la LG Cup. On connaît les montants, donc vous ne pouvez pas jongler. OK, on connaît les montants. La participation, les différents primes. Mais après Marrakech, il y a l'Algérie. On voudrait avoir notre cachet du match. Ne faites pas la même. Donc vous les avez prévenus. Je vous dis, plus d'un mois, je vous parle, vous rentrez dans vos fichiers, vous regardez. Quand on a joué au Congo, on allait jouer en Guinée équatoriale. Et plus tard, il y avait Marrakech. Vous comprenez? Oui. Je dis, il ne faudrait pas qu'on revive la même situation. Ah non, 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 non. Ce match, guichet fermé, tout sera OK, il n'y a pas de problème. On arrive à Marrakech. La prime de stage, vous savez, quand vous arrivez à l'équipe nationale, je vous ai parlé des primes olympiques. La prime de stage, c'était quand vous arrivez le soir, vous avez votre prime. Ou plus tard, le lendemain. Oui. On arrive à Marrakech. Il n'y a rien. Il n'y a pas de prime de stage. Comment est-ce que vous expliquez ça? Déjà, ça, la prime de stage, vous l'expliquez comment? Elle n'est pas. Oh, on va voir Western Union. On va faire ceci. Vous vous êtes déplacé. D'habitude, vous vous déplacez avec l'argent. Vous êtes arrivé, vous laissez l'argent derrière pour qu'on fasse Western Union. Et c'est comme ça que ça commence. Oui. Vous comprenez? On a, Marrakech, même le tournoi LG, il n'y avait pas de problème. Oui. Vous avez d'ailleurs remporté le tournoi. Oui, mais le problème commence avec notre prime de stage. Et on leur dit, nous sommes en plein tournoi, on aimerait avoir notre cachet, parce que le cachet du match, on ne le donne pas après le match. Oui. C'est déjà serré et tout ça. Donc vous avez cet argent, on va avoir nos sous avant d'aller jouer. Parce qu'on va arriver, on va jouer. On va arriver la veille, ça va être les disputes de tous les jours, où on joue un match important à 14h. Les supporters. C'est vrai quand même qu'il y avait entre vous et la fédération un marchandage quand même. Les supporters ne savent pas ça. Les supporters ce genre de marchandage-là. Non, mais il est officiel, c'est signé. Oui. C'est pas, on ne négocie pas. Si vous voulez négocier un match, faites ce que vous voulez, mais le cachet qui est annoncé, on a la moitié. C'était comme ça pour ne plus être là à discuter que ce match, on aura un match amical, on aura 25. Alors, pour finir avec cette histoire, finalement, vous n'êtes pas payé et vous ne jouez pas. C'est pour ça qu'on ne part pas en Algérie, vous comprenez? Oui. Ce n'était même pas parce que, vous voyez, quelques temps avant, on a joué en Guinée. Oui. On n'a jamais parlé de ça parce que personne n'a dit quoi que ce soit. Et on dit de Marrakech comme si les joueurs avaient, comme on dit chez nous, vomi leur sélection. Non, ce n'est pas ça, mais il faut faire de l'ordre. Idriss Carlos Kameni, le temps court et quelques années plus tard, vous remettez ça, la sélection nationale refuse de prendre le drapeau ici au stade Amadou Ahidjo pour aller au Brésil. Ça, c'est quand même quelque chose de gros, non? Refuser? Oui, de prendre le drapeau. J'étais pas. Oui. Si vous le dites bien, Bruno, je vous crois. Oui. C'est quand même un acte fort. Oui. Même s'il y a des réclamations. Il y a toujours moyen de revendiquer, mais on parle du drapeau. Et ça, c'est un acte qui se respecte très bien. Alors, on voit bien, on va être très rapide parce qu'il nous reste juste 5 minutes pour conclure cette émission, c'est dommage. Alors, on voit bien que les footballeurs de l'équipe nationale du Cameroun sont assez proches de leur agent. Ils ne badinent pas avec leur sous. C'est normal, est-on tenté de dire vous êtes des travailleurs, il faut être payé pour ça, je suis bien d'accord. Sauf que pourquoi vous refusez par exemple de prendre des chèques
ou alors des virements bancaires comme cela se fait dans des pays civilisés, qu'on vienne dans votre chambre à la veille de la Coupe du Monde en 2010, Idriss Carlos Kameni, avec 45 millions de francs en liquide, c'est un truc de villageois, ça. Comment ça se fait? Oui, c'est vrai, un truc de villageois, vous savez, mais on est habitué aux frais frais, comme on dit souvent chez oui, nous. Oui, mais vous n'allez pas. Vous jouez aujourd'hui en Turquie, on ne vous donne jamais de l'argent, oui, vous n'avez jamais vu de l'argent. Vous connaissez aussi, on parle d'une autre chose, c'est une question de transparence. Oui. Vous savez, avant que je n'arrive à l'équipe nationale, à une certaine époque, on parlait de chèques sans provision. Vous comprenez? Quand les aînés ont vécu certaines choses, qui nous disent, ah, on ne veut plus entendre parler, nous on vient et on suit, vous comprenez? Mais dernièrement, on a parlé, le président de la nomination, M. Aimé Tapi, nous disait, ouvrez des comptes. Et des virements. C'est fait, vous avez ouvert. Le virement, ce n'est pas un chèque, vous comprenez, le virement. Moi, j'ai des comptes au Cameroun. Moi, je vis au Cameroun tout le temps. Je viens au Cameroun tout le temps. Je suis pas comme certains qui sont nés en Europe, qui ont grandi, qui n'ont pas d'attache au Cameroun. Non, moi, je suis constamment au Cameroun, il n'y a pas de problème. Mais sur le problème, c'est le truc de base, c'est la confiance. Oui. Vous comprenez? Alors, vous n'avez pas confiance. Pour moi, la parole est suffisante, mais quand on se retrouve déjà dans un milieu où on se méfie de tout, on a besoin Le Cameroun, très rapidement, Idriss Carlos Kameni, le Cameroun est à la recherche d'un sélectionneur. Pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour être sélectionneur des Lions Indomptables? Qu'est-ce qu'il faut? Je ne sais pas. Oui. On a longtemps. Parce qu'on a remarqué que l'espérance de vie des sélectionneurs sur le banc de touche des Lions Indomptables est assez faible. Hein. On en liquide en moyenne un coach par an. C'est quand même terrible. Non? Qu'est-ce que nous voulons comme sélection? Voilà. Nous, Camerounais, qu'est-ce que nous voulons? Une sélection qui gagne. Vous voyez, on veut une sélection qui gagne. Vous avez besoin d'un sélectionneur qui a un plan de travail qui s'étend sur une durée moyenne de 3 ans au plus pour pouvoir bien construire les choses. Non, ne faisons pas les choses à la va-vite. Un sélectionneur vient aujourd'hui, une compétition, il disparaît. Mais il faut aussi comprendre que même chez nous, on a matière. Hein. Oui. Il y a matière. Enfin, mais maintenant, c'est de bien regarder, bien structurer la chose, parce qu'on se retrouve toujours avec beaucoup de respect que j'ai pour tous ceux qui sont passés par là et qui viennent. D'ailleurs, s'ils viennent, c'est parce qu'on va les chercher. Mais souvent, on déniche des gens qui, entre guillemets, comme le Camerounais, qui n'ont pas de CV, qui sont en arrêt depuis plus de 5 ans, 10 ans. Ils ont les choses comme elles sont. Et on revient ici dérouler le tapis rouge, vous comprenez? Et alors que on peut avoir une autre vision de la chose et pouvoir mettre des gens qui respirent, qui sentent et qui aiment ce pays. C'est-à-dire que vous êtes pour un entraîneur camerounais à tête des Lions Indomptables? C'est possible, hein. C'est possible. Hein. Pour vous, c'est ce qui est préférable. C'est possible. Je vais vous dire une chose. Allez-y. On se retrouve souvent dans des configurations concernant l'équipe nationale. Même quand on parle souvent des primes et des petits différends qu'on peut avoir entre nous. Vous savez ce que c'est d'être nez à nez avec un sélectionneur qui est comme votre père et qui vous dit, mon fils, tu vas me faire ça. Vous le regardez et c'est comme si vous oubliez ce qui est passé. L'expatrié n'a pas souvent cette approche. Oui. Vous avez connu une quinzaine de coachs à la tête des Lions Indomptables en 18 ans chez les Lions Indomptables. Lequel vous aura le plus marqué? Je suis arrivé et quelques temps après, et Pierre Lechant partait. Oui. J'ai d'excellents, je ne vais pas dire rapport, souvenirs avec Jean-Paul Lacono. Parce que derrière une médaille olympique, il y a eu quelque chose. C'était, comme je disais, un papa qui vous parle. Mais j'ai connu Schaeffer. Winfried Schaeffer, oui. L'Allemand. Oui, qui m'a beaucoup marqué, qui m'aimait beaucoup. Ouais. Et qui allait. Qui a remporté la CAN de 2002. 2002. Et au point de faire des déclarations en Allemagne, où il a dit qu'il a rencontré deux gardiens dans sa carrière qui l'ont marqué, Oliver Kahn et Carlos Kameni. Ah ouais, quand même. Et ça, c'est. Ouais. Et c'est tout ça. Je ne peux pas vous dire que. Il y avait la barrière de la langue, mais vous sentez qu'il y avait.
quelque chose qui passait. Fort, mmh. Ouais. Mmh. Comment voyez-vous la fin de votre carrière, Idriss Carlos Kameni? À quel moment pensez-vous arrêter? Franchement, je ne me suis pas posé la question, oui. Parce que plus le temps passe, je me sens tout frais, tout plein d'énergie et avec beaucoup plein d'envie. Je me sens vraiment encore bien. J'ai un contrat de 2 ans encore avec Fenerbahçe, oui. Et on va voir si d'ici quelques jours, si on peut prolonger. Après Fenerbahçe, ce sera où la Chine Non, la Chine, je crois qu'ils ne signent pas des gardiens étrangers. Ah. Je pense que j'y serai allé à un moment donné où d'accord. On parlait de remplir les conteneurs. Il y a un thème que j'adore ces derniers temps, que beaucoup de jeunes utilisent, le riz. Oui. On dit le riz, donc ils parlent d'argent, il fallait beaucoup de riz. Non, mais je ne me projette pas plus loin que ça. Oui. C'est continuer à prendre du plaisir parce que je suis encore. Très rapidement, s'il vous plaît, je compte sur vous. Il y a beaucoup de footballeurs camerounais aujourd'hui qui sont en Turquie. Qu'est-ce qui attire en Turquie? Ce n'est pas un grand championnat quand même. Bon, ce n'est pas un grand championnat, comme on le dit. Moi, je disais la même chose. Je n'ai pas intégré ce championnat. C'est un très grand championnat qui regorge de très grandes stars. Mmh. Et beaucoup, parce qu'ils veulent vraiment rivaliser avec les meilleurs. Il paraît que les conditions financières attirent les Africains. Il n'y a pas beaucoup d'impôts à payer sur fortune. Pas seulement les Africains. Hein, pas seulement les Africains, il y a beaucoup d'étrangers. Vous avez vu un Pepe qui part de Madrid, au lieu d'aller à l'Inter, il va à Beşiktaş. Ils sont nombreux qui y vont. C'est parce que les Turcs ont décidé de rendre le championnat encore plus important, ils mettent les moyens et c'est toujours attrayant. Les impôts, on n'en paye pas trop? Moi, je peux pas vous donner aujourd'hui quel barème, ça dépend de comment on signe des contrats. Généralement, je demande un dépôt et le reste, c'est pas… Dernière chose, pour votre fin de carrière, qu'est-ce que vous aimeriez être? Vous continueriez, je te rappelle que vous avez un centre de formation, ICK Foundation. Mm. Est-ce qu'une carrière d'entraîneur vous tente ou alors vous allez rester dans les affaires? Non, affaires, c'est trop dit. Tout ce qu'on fait, ce sont des affaires. Oui. Mais je pense que je suis sportif dans l'âme et je resterai dans le sport et je ne sais pas quand je finirai avec la sélection, comment ça se passera, mais je serai toujours à la disposition de cette équipe. Si un jour je me retrouve dans le cadre du coaching, pouvoir toujours prêter mes services à ma chère nation, mais après je verrai, mais je resterai toujours dans le cadre du foot. Merci beaucoup, je vous souhaite bonne chance. Merci Idriss Carlos Kameni. Très rapidement, la bibliographie de cette émission, on ne va pas la commenter, on est pris à la gorge par le temps. D'abord ce livre, Alex Ferguson, mon autobiographie. C'est un très bon livre de l'un des plus grands coachs de l'histoire du football. Il est souffrant en ce moment, il a eu un arrêt cardiaque, quelque chose comme ça. Il est très malade ces derniers temps. Il y a ce footballeur. Est-ce que vous l'avez rencontré, Zlatan Ibrahimovic? Oui, plusieurs fois. Oui. Il a eu du mal. Hein. Oui. Il est impressionnant quand même. Non oui, oui, mais il a quand même eu du mal. Moi, Zlatan Ibrahimovic, c'est son histoire racontée par un journaliste, je n'en dis pas plus. Il y a cet ouvrage sorti en 2010, « Programmé pour échouer, enquête sur la débâcle des lions indomptables en Afrique mais du Sud ». Mais de qui? Je vous interdis le commentaire. Du même auteur, « La tragédie des lions indomptables ». J'ai la décence de ne pas dire qui l'a écrit, parce qu'il s'agit de moi-même. Il y a également ce très bon livre de Jean-Jacques Sevilla, « Le phénomène Ronaldo ». Mourinho dit le vrai. Voilà. Il y a Marcel Desailly, capitaine. Mmh. Ah, magnifique ouvrage de ses origines ghanéennes jusqu'en France, où il a été adopté. Hein. Voilà, c'est un très très bon livre, bien écrit. Le football, c'est le business, c'est les affaires. Il y a FIFA Gate. C'est une magnifique enquête. Comment le Qatar a fait exploser le système Blatter. C'est un livre qui a été écrit
par deux journalistes français, Philippe Auclair et Éric Champel. Magnifique ouvrage qui a un peu été précurseur de la chute de Sepp Blatter. Il y a la géopolitique du sport. Pascal Boniface est un spécialiste de géopolitique qui s'intéresse énormément au sport. Il est passionné, il en a fait un sujet d'étude. Voici un gardien de but, vous le connaissez? Ah bah oui, je sais. Joseph Antoine Bell, très bien. Beaucoup de, ma cage. Beaucoup de respect, très beaucoup d'admiration. Et c'est toujours des gens qui m'ont inspiré. Voilà, oui, c'est un très bon livre. Hein, chaque fois que je le rencontre, j'hésite pas. Voilà. S'il y a un conseil, je suis ouvert. Très bien. Vue de ma cage, Joseph Antoine Bell, paru aux éditions du Chapelle. On espère avoir un livre de vous très bientôt. Traditionnellement, Idriss Carlos Kameni, nous remettons un petit cadeau à ceux qui acceptent de venir dans cette émission. Voici le vôtre. Je vous l'offre avec plaisir. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Merci infiniment d'être venu. Merci de nous avoir donné un peu de temps de vos vacances que vous passez au Cameroun. Revenez nous voir la prochaine fois. Mesdames, Messieurs, c'était la grande interview. N'oubliez pas de regarder la Coupe du Monde sur Canal 2 International qui a saigné pour obtenir la retransmission de cette compétition au Cameroun. C'était la grande interview. Bonsoir.